complète l'espace pour former une équation avec un nombre infini de solutions. Et on nous donne 4 fois x moins 2 plus x est égal à 5x plus, et là il faut compléter. Et bien pour être dans le cas d'une équation avec un nombre infini de solutions, il va falloir se placer dans un cas où le membre de droite est toujours égal au membre de gauche dans l'égalité. On va commencer par simplifier cette écriture ici en distribuant le 4, et on a 4 fois x, 4x, 4 fois moins 2, moins 8, plus x, est égal à 5x plus le nombre à choisir. Ici, 4x plus x, ça fait 5x, toujours moins 8, est égal à 5x plus le nombre à choisir. Eh bien, ici déjà, on voit qu'on a 5x des deux côtés. 5x sera toujours égal à 5x, quel que soit le x qu'on choisisse. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour que 5x plus le nombre qu'on va choisir soit toujours égal à 5x moins 8? Eh bien, il faut ajouter moins 8. On ajoute moins 8. Cette équation aura un nombre infini de solutions, puisque 5x moins 8 sera toujours égal à 5x moins 8.